Bonjour. Alors attendez. Je fais en sorte que tout se passe bien, que tout est lancé. Ça y est, enfin ça bug pas. Oh là là, ça fait plaisir. Je le vois sur le chiffre. Enfin pour l'instant, ne disons pas trop. Oh, taisons-nous. Alors. Est-ce qu'il s'est mis là-bas, mon livre? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit je venais pas travailler. Coucou, coucou, coucou. Popcorn. Alors, je fais juste ça. Partager. Hop, go live. Maintenant. Maintenant. Pouf. Pouf, 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 pouf. Ouais. Pouf. Hop! Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je travaille pas? Bah moi j'ai dit, on m'a demandé, tu veux travailler? Enfin on m'a demandé, on m'a même pas demandé. J'ai dû dire, au fait, pour le premier B, on travaille ou pas cette année? Parce que l'année dernière, on travaillait, on avait rien à dire. Et puis il m'a dit, ah oui, on t'avait pas demandé d'aller travailler? Bah non, personne m'a demandé. Ah ok, bah du coup, si tu signes un papier, si tu veux, ben tu viens pas, si tu veux pas, tu viens. Enfin voilà, bref, je dis bah je viens pas. Salut, c'est mon anniversaire, bah bon anniversaire 1er mai. Enfin, du coup. Alors attendez, que j'enlève ça. Pouf. Oh là là. J'ai une seule tête. Alors, je mets mon écran en grand. Paf, pour avoir des meilleurs. Que ce soit plus beau quoi. En profiter en... Ouais. C'est mon hante. On a compris, Hugo, t'inquiète. Bon anniversaire. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, j'ai pas le son du jeu, c'est sûr. Ah, c'est mieux. Et puis, je vois un peu rien. Parce que j'ai pas mis l'intitulé net. Bonjour. C'est mieux. Ah. Bon. Ok. Animal Crossing, yeah. Donc c'est le 1er mai et non, il y a un événement aujourd'hui d'ailleurs aussi, comme l'année dernière. Pourquoi tu n'as pas de réseaux sociaux? Si, j'ai Twitter. Et je suis assez actif d'ailleurs. Enfin, quand même. Quand même. Donc. On est où là? Oui, c'est le 1er mai, du coup il y a l'événement du 1er mai, on a le labyrinthe là, chelou là, jusqu'au 7 mai. Mais l'année dernière il y avait ça aussi, mais apparemment il a changé, bon je sais pas trop. C'était pas fou. Hop, 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 hop. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des trucs à la boutique avant. On va essayer ça, le labyrinthe chelou là. Oh la kitchenette. Salut! Où ça? Ouais, bon, les meubles, on verra ça plus tard de toute façon. C'est pas important. Pour l'instant, je m'occupe pas des meubles et des trucs. Il va durer combien de temps? Le live, je sais pas. Au moins 1 heure, c'est sûr. Pour au moins faire quelque chose, quoi, parce que en moins de temps, ça va trop vite et puis on a le temps de la faire. Mais après, on verra. On verra. Après, on change de jeu. Je te suis depuis 2014. Je crois que je me suis abonné quand tu avais fait un tuto pour faire un layout. Eh bah, écoute, si ça a pu t'aider ou. Coucou. Tout le monde, comment avoir la photo de Charlie? C'est avec l'amiibo, non? Parce que j'imagine. Ah, on peut avoir sa photo autre qu'avec le poster? Ça m'étonnerait, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que là, je vais. Bah, on va aller voir Charlie. Je regarde juste s'il n'y a pas des. Attendez, parce que je sais plus si. Ah, non. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Je vais juste prendre ça, parce que c'est sympa. Oui. Ça, on va faire le truc de Charlie et la chocolaterie. Et après, on verra un petit peu. Il y aura de la visite aussi. Pourquoi ton message, il... Tomtaz, voilà. Il faut que je visite des trucs. Un tiki rêve clochette. C'est pas parce que quelqu'un a visité ton île en onirique? Quel problème du live? Alors, on va aller faire l'événement du 1er mai. Le truc. Le labyrinthe de Charlie. Charlie, yeah. On va essayer de faire ça déjà.
Bonjour. Un ticket 1er mai. Ouais. Bah, je veux voyager. Au moins ça. Et après, on verra. Vu que je m'en sors pas sur ma ville, ça me saoule. Si on peut avancer un petit peu. Ensemble. Allez, chute. On va faire ça et puis un peu de visite aussi. Faut qu'on trouve des villes oniriques de ces morts. Ça va être déjà des trucs de ouf. Un vol, l'ami. Ok. Ça sera bien. J'ai bien sauté. Alors, tu ne poses pas la patte sur un labyrinthe. Ok, donc ça n'a pas changé. Ok. Alors, le labyrinthe de Charlie. Donc non, il est plus galère normalement que l'année dernière. Non, c'est pas le même. Il est un peu apparemment plus galère. Donc, on a une pelle. On est content. Le principe est bien. Franchement, le principe de ce truc-là est bien. C'est vraiment une espèce de mini-jeu en mode... Alors déjà, on n'utilise jamais la pelle pour reboucher le trou, parce qu'elle va casser. Le principe est vraiment bien, parce que... C'est vraiment un système de mini-jeu et tout, de réflexion un petit peu. Hop. Vu que je sais que tu as beaucoup d'animaux, je tenais à partager ma joie. Que une de mes rats a donné naissance à 3 ratons. Ah, trop bien! Que ça, c'est la faute. Ah, pas mal. Hello, Kao. Désolé, tu devais live, je t'ai pris ta place. Enfin, tu peux faire en même temps. Viens, fais en même temps. J'ai eu du mal. Alors, jamais réutiliser la pelle pour reboucher le trou. Sinon, tu casses ta pelle. Enfin, tu abrèges la vie de ta pelle. Donc, apparemment, il y en a qui ont eu plus. Qui ont galéré. Un peu plus. En fait, il y a tellement de possibilités de. D'action, on va faire ça. Au final, on m'a kidnappé pour aller. Ah, c'est vrai, c'est. Premier B, c'est le Mugi ou le premier B. C'est quoi le plan? Ça va être. Échelle. Ah oui, c'est pour ceux qui l'ont pas. Toi, t'as eu la photo de Charlie, d'accord. Alors. Je sais pas, en vrai, je sais pas dans quel sens commencer. On aura besoin d'une échelle. Il faut quoi déjà pour l'échelle? Outils! Non, outils! Non, outils! Là. Échelle. Il faut 2 de chaque. J'en ai éternué. Je me suis envolé! Attendez, je me mouche. Merci. Bon, j'espère que j'ai rien qui dépasse. Bon, ça fait tâche. C'est glamour, hein. Non, ça passe pas. Donc, pour faire une échelle, du coup, il faut 4 boîtes chaque. Alors, du coup, ça me chatouille les mêmes. Il y en a 1, 2, 3. Bon, de toute façon, dans tous les cas. Ou alors, faut que j'aille là-haut directement. Non, je peux pas, de toute façon. En vrai, j'ai pas trop le choix. Ah si, alors soit je peux casser ici, je vais le faire je pense, soit je casse là-bas. Ah ça, faut faire les deux, ok. Ah si, merci. J'ai rien eu peur, t'as rien eu avec l'event? C'est bizarre. Hey, t'as une chronique qui se dépasse. Bon. C'est pour le style, j'ai pas peur. Alors du coup, comment se présente? Donc là du coup il va me falloir l'échelle, bah non même pas, je peux même pas avoir l'échelle. J'ai ramassé quoi? Je suis en train de réfléchir parce que là du coup si je fais ça je pourrais enlever l'arbre. Et là je pourrais récupérer les deux poires ici. Tandis que là. On en récupère. Ouais, on va faire dans cet ordre là.
Je crois que pour la photo, Charlie, il faut l'application Switch Online. Oh non! Je vais enlever d'abord ici. Hop. Pof. Comme ça. Coucou, ça va? Coucou, eh bien ça va, tout ce qui arrive. Merci. Demandez. Ok. Donc là, j'ai deux poires. Je peux aussi crafter... Je peux rien crafter. Normalement. Je peux rien crafter. Mais... on va aller de l'autre côté. Je vais aller... Attendez. Bon, de toute façon, j'ai zéro bois dur. Je vais manger une poire là. Voilà. De toute façon, on peut pas repartir avec des trucs, je crois. Je vais devoir en manger une là. Voilà. Et alors là, ça va être chiant. Parce que si je... Soit je... Une poire. Il me manque un bois tendre, deux bois durs et deux bois normaux. Si je casse ici, après je peux plus. Donc, mauvaise idée. Mauvaise idée. Vaut mieux que j'enlève cette herbe là parce que j'aurai une autre poire pour me permettre de faire des trucs ici. Hop. C'est Charlie qui a envoyé la photo par la poste le lendemain. Ah, d'accord. Ok. Ça sent les gens qui ont time travel. Moi, maintenant, je le fais. Moi, je suis un rebelle, maintenant, je time travel. J'ai plus peur. Une boîte normale. Et du coup, Charlie est là-haut. Hello, Charlie. Et du coup, cette année, c'est l'échelle. Cette année. C'est l'échelle qui est importante pour le truc de Charlie. Du coup, l'année prochaine, ils vont nous faire quoi? Ah bah, du coup... Mon but, évidemment, n'est pas d'aller voir Charlie tout de suite. J'ai quoi? J'ai une poire. Et il me manque deux bois durs, donc. Si je enlève cet arbre-là, on est d'accord que je me fais avoir parce que j'ai l'échelle, mais... Enfin, j'aurai pas l'échelle parce que j'aurai pas le... Ok. T'as eu la mallette? Ah, parce que c'est la première fois que tu le fais, je pense, du coup. Ça, c'était l'année dernière, la mallette. Il me reste une poire. Ah non, mais ça va pas. C'est quoi là-haut? Parce qu'à la rigueur, si c'est une hache, ça me va. Je peux bosser actuellement, mais bon, j'attends que Google marche. Ok. Parce que si c'est une hache, c'est bon, quoi. Hache, ok. Du coup, c'est bon. C'est bon. C'est une hache. Émoussée. Ah. Donc là, je vais pouvoir crafter. Hop. J'ai un chinchilla qui fait du bruit. Il ronfle, il dort, il rêve. Donc là, j'ai le machin. Voilà! Yo, à ceux qui y arrivent. Yo, yo, yo. Donc là, j'ai la truc. Je vais récupérer ça. Et alors là, l'erreur, ça serait... L'erreur, ah ouais, un seul coup. Parce que je peux pas du coup aller là-haut. C'est pas possible.
Bah je me suis fait avoir là, non? Mais elle tue en une... Enfin, elle va couper l'arbre en une fois? Bah non, il faut donc 3 coups pour tuer un arbre. C'est ça le méchant, ce que je dis. Ah, en vrai, j'ai pas le choix. Ah, si, si. Je m'en fous, je veux ça. Il faut 3 coups pour découper un arbre. Pas celui-là. Ah. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ça. Parce que si je fais ça, j'ai direct Charlie, donc c'est nul. Ah oui, d'accord, c'est... Ça tue un arbre et ça casse. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Du coup, là, hop. On n'use pas la pelle, hein. Soyons intelligents. Ok, hop. Là, on prend les poires ici. Oh, c'est... Tu vas te faire... Le bot, il va enlever ton message parce que t'écris ton majuscule. Si je t'ai pas répondu, c'est que je le fais pas. Du moins, pas tout de suite, on verra plus tard. Donc, j'ai 2 poires, c'est ça? J'ai 2 poires. Donc je pense que je vais prendre les 3 poires qui sont là au-dessus de moi, en enlevant les 2 arbres. Oui, ça fait longtemps. T'es bloqué maintenant. Pourquoi? Bah non. Ah, j'aurais dû faire celui-là avant. Je t'avais pas eu depuis... Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Parce que je suis têtu, donc je vais essayer par moi-même. Ça, ça, ça... Ça... Hop. Ça... Hop. Tout le monde arrive. Salut Marie. Allez, c'est la fête. On fait une party. And party on the night. And party on the night. Là, je mange celui-ci. Je trouve quand même qu'il est plus intéressant. Il est plus compliqué. Mais il est plus intéressant du coup. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, il faut que tu reset. Laissez-moi essayer. Let me try. Là j'ai ça. Alors, est-ce que je m'embête à retirer ça? J'ai pas envie que m'appelle Alcas, alors du coup je vais faire ça. Je travaille par contre. Ah, d'accord. Il faut pas parler trop fort. Sinon elle va se faire capter. J'aimerais bien repartir avec les ou. Je trouve que c'est ça. Ce serait bien. Bon, ça va, tout le monde, t'inquiète, j'ai un écouteur. Ah, un écouteur. Salut. Ça va. Y'a plus la mono qui faisait du gacha. Gachalou. Gachalou. Bah, du coup, là, c'est bon. Techniquement, je peux aller voir Charlie. Mais. Moi je suis un thug, je passe par la... Viens, on va pêcher. Non, on peut pas. Du coup... Ah si, là, je suis bête. Là... Si je fais ça... Au moins je pourrais récupérer les bidules. Oh bah c'est bon du coup. Voilà. Ouais, du coup, c'est marrant parce que j'ai vos réponses après. Donc c'est bon. Je suis content de moi. J'ai réussi avant que vous me donniez la réponse. C'est pour ça, du coup, que tu me disais que... Parce que là, je peux pas casser les 3, ce qui me manque... Bah non. Non, c'est bon. Oh, j'ai tout. Oh, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai tout. Trop facile.
Faut prendre son temps, y aller tranquillement et... Et voilà. Et là, ma pelle, elle casse avant le dernier rocher. Yeah, c'est super rapide. Eh oui. Ouais, c'est... Maf. Le principe est vraiment cool. C'est intéressant. C'est marrant. La récompense est... moyenne. Et c'est qu'une fois. Donc... c'est triste un petit peu. Quoi. Yeah. Yeah. Ouais, je sais, ouais. L'année dernière aussi, quand on ramassait les buissons, tous les trucs et tout, bah, tout disparaissait quand tu revenais chez toi. Et voilà. Tu sais jusqu'à quelle heure? Je sais pas trop encore. Au moins une heure, je pense. Et dès que je reçois un SMS, c'est que ça va pas tarder à s'arrêter. Ça peut... C'est rigolo. Hein. Coucou, je suis contente pour enfin suivre ton live. Bah pas de soucis. Allez, on parle à Charlotte. Bravo, tu as atteint l'arrivée. Hein, on s'est déjà croisé. Ta tête me dit quelque chose, mais désolé, j'ai vu tellement d'îles ces derniers temps que je n'ai pas la mémoire des noms. C'est la première fois que je viens ici. Ah mais non! Je vais avoir la mallette aussi parce que c'est la première île. Enfin l'île elle est toute neuve, celle-là. Salut. X-tac-tac. Ah merde, le bot il t'a supprimé ton message. Désolé. Je l'ai vu en plus, j'ai oublié de te répondre. Elle est pas un peu bizarre cette île? Qu'est-ce qui t'amène au fait? Cadeau de Tom Nook. Chapisti. Ouais d'accord, plus question que je rate ça. Mais je m'attendais pas à tomber sur un chabirinthe, Amia. Tu parles d'une surprise, va. Est-ce que ça veut dire que vous vivez sur la île? Oui. Tom m'a expliqué qu'il avait bossé dur sur ce caillou. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Far Away. Bingo. Niahaha, je savais, t'es une petite marrante, toi, je t'aime bien. Si tout le monde est si rigolo sur ton île, doit être un chaleureux. En fait, tu as un petit nom? Oh, Julie, c'est bien ça, joli nom, vraiment. Oh, je suis heureux de te rencontrer. Je suis sûr que quelque part, c'était écrit. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. C'est une de mes mallettes. Elle et moi. Elle et moi, on a traversé les aventures. T'auras la photo l'année prochaine. Bah j'irai le faire sur l'autre île, sur Neveria, la première île. Ouais, merci. Cool. Et bon, c'est riche, mais tu comptes faire Pokémon Snap? Je suis pas sûr. En fait, j'aime bien. Enfin, c'est ce que je disais un petit peu sur le Discord hier, sur le Discord qu'on a de la chaîne. J'aime bien le principe de Pokémon Snap. Je trouve ça rigolo. Enfin, intéressant et un peu inédit. C'est cool, c'est sympa. Par contre, je pense qu'au bout de 3-4 fois, bon, ça va un peu me lasser. Guy. Yes. Alors, attendez. Il est bien ton personnel? Ouais, il est... Non, non, non. On rentre à la maison. Il a déjà montré, mais je crois qu'il dorment. Les chinchillas... ouais, les chinchillas, ils dorment à cette heure-là. Le lapin, bon, le flemmarde. Les deux lapins, flemmardes. Et le chat, il... Je sais pas où il est. T'es où, Minou? Attendez. T'es où, Minou? Mais il dort sur le lit, le chat. Je vais pas le réveiller. Enfin, je l'ai réveillé déjà. Après, il est agressif. Mon chat, il est agressif. Alors, faut pas le déranger. Voilà. Allez, on part. Même si j'aurai la photo l'année prochaine, car j'ai eu la... Non, mais moi, je m'en fiche. Je vais time travel. C'est ma deuxième île, donc... En vrai, c'est mieux à Seine. Moi, perso, je kifferais l'avoir juste pour faire comme Zelda et prendre toutes photos. Ouais, je sais pas. C'est sympa. Bon, le principe est sympa de Pokémon Snap. Après, j'ai peur que ça m'ennuie, en fait. Et je préfère aller acheter Nier, en fait. Nier réplicante. Parce que je trouve que les jeux... Pour moi, je préfère le jeu. Ok. Tu joues à SNL. J'ai fait plus d'une centaine de vidéos sur SNL sur la chaîne, donc je pense que je peux dire que je joue à SNL. Un petit peu. Tadam, mon bordel. Moi, j'ai 8 rats maintenant de chat.
Donc j'ai installé ça depuis la dernière fois. J'ai installé ça. Un petit cours d'eau là, j'essaye de faire des trucs. Mais je pense que mes cours d'eau sont trop larges. Je sais pas, j'ai un problème, faudrait que je les réduise. Bon là je voudrais mettre un pont. J'ai essayé de prévoir un pont. Du coup en fait on peut partir par là. On va se prendre ici. Là, ça fait un petit peu le creux de la cascade et hop. Ça permet un petit peu de faire une espèce de truc. Là j'ai voulu commencer et je pense qu'à partir de là, bon c'est chiant du coup pour descendre. Je vais continuer la plateforme en hauteur là. Par contre la petite rivière là, je vais la mincir. Oui c'est derrière la musée. Je vais l'amincir pour la faire serpenter un peu par là. Donc là on est derrière la mairie. Tout ça là. Il reste un arbre. Et puis, bah il y a ce côté-là qu'il faudrait que je. Là je vais laisser parce que ça permet de. Salut Osakari, bonjour. Moi j'ai des poules, des pigeons, un lapin, un chien, je crois. Un ouf. Quoi? J'en ai joli un petit peu ce que j'ai dit. Je peux te rejoindre. Ah, pour l'instant, non. Ouais, tu dois pas t'ennuyer avec tout ça. Non, ça va. Visitez vos îles, peut-être après. Je préférais passer en code onirique, ce sera plus facile, si jamais. Et je voulais dire quoi? Tu connais le youtubeur Kirbendo? Oui, je connais le Kirbendo. Moi, mes parents veulent pas. Une chèvre dans un temps, c'est pas fait. Je comprends tes parents du coup. Là du coup ça fait un petit passage entre les montagnes, ça sera sympa. Ici je sais pas trop encore comment gérer, je sais pas si je... En fait je pense que je vais faire une espèce d'escalier là, de pente pour aller là-haut. Mais je sais pas si je continue la montagne jusqu'à la maison, ou alors je prends la maison et je la colle. J'hésite encore. Parce qu'après ça fait une espèce d'énorme espace là. Je ne sais pas. Je vais visiter cette fois l'île du 1er mai avant de la semaine. Bah c'est parce que tu voulais la faire vraiment. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur cette chose qui vient de se passer, cette nuit. Hop. Hop. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Pokémon Snap c'est intéressant, mais à quitte à choisir entre m'acheter Pokémon Snap ou m'acheter Nier Réplicante, je pense que je vais racheter Nier Réplicante parce que je quand même je trouve que les lunettes elles sont vraiment pas droites. Hein. Ça me stresse. Je trouve Nier Réplicante un peu mieux. Enfin, c'est plus des jeux, un jeu qui m'attire. Mais non, je vais pas faire ça. Qui m'attire dans son concept. Enfin, je trouve. Ouais, Pokémon Snap, c'est sympa. Ça m'embête de payer ça 50 balles. Un petit jeu de photo, quoi. Je sais pas, mais. Je préférerais acheter ça 30 balles, à 25. Pourtant, c'est le principe m'intéresse. Mais je sais pas, voilà. Ouais. Ouais, ça t'est golfeur. Ouais, vu qu'il n'y a pas vraiment de nouveau contenu, j'ai fait. Ouais. Mais non! Wesh! Ah! La meilleure musique du jeu! Oh purée, ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu! Ah là là, attendez! Attendez! Ta-da. Attendez! Je suis vraiment méchant! Allez, dandinons-nous! Je ne sais plus. C'est la pire musique. Je suis désolé, c'est la pire musique. C'est la pire musique. C'est vraiment la pire musique. Ah, que d'émotion. Là, je vais continuer. J'ai galéré un petit peu avec mon île. Franchement, je galère avec mon île. Ah, je galère. J'avoue, c'est marrant. T'as...
Je galère avec mon île une fois. Par contre, alors attendez, c'est pas possible. Je vais juste faire ça. Parce que c'est un joyeux que personne ne travaille. Oui. J'adore celle de 14h. Paix à ton âme. Il faudrait que du coup j'agrandisse. Moi j'aime pas. On va remonter ça. Coucou à ceux qui arrivent. D'ailleurs celle de 16h est venue. Celle de 4h du matin elle est pas mal. 3h 4h? Je sais plus laquelle c'est. 3, 4, 5h je crois. 3, 4. Non pas 3h. Non c'est 3h, c'est la chelou là. Oh je ne sais plus. Celle de 2h, tout étoilé, je la trouve intéressante. Il y a un ballon. On fait quoi? On le tape ou on le tape pas? Taper 1 si on le tape, taper 2 si on le tape pas. 3h c'est chelou, bah ouais, Xélo quoi. J'essaie d'augmenter ce truc là. Allez, il y a plus de 1. Pim! Quel bordel. C'est le bordel dans mes sacs. C'est quoi? Une robe large à motif. Tout ça, c'est de votre faute. Vous avez vu à quoi je ressemble maintenant? Non, mais mamie Janine, là, elle est sortie. Elle est pas prête, quoi. C'est de votre faute. Vous avez voulu que je tape le ballon. Vous avez vu maintenant à quoi je ressemble? Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette île? J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin, si, j'essaye des trucs. Je me dis, j'approuve. T'aimes bien les robes, MDR? En fait, mon personnage, c'est un personnage féminin. Je vous dis, vas-y, je change. Parce que c'est ma deuxième île, hein, si jamais. Ben, je suis censé voir ma grande. Après, elle s'appelle. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Moi, ma grand-mère s'appelle Blanche. C'est trop classe. Enfin, une de mes grand-mères s'appelle Blanche. Enfin, les deux. Ma mitraillette. Please. Grave stylé Blanche, mais j'avoue. Bah, et c'est ma. Fun fact. Sa sœur, elle s'appelle Rose. Voilà. Une île en forme de chat. De chat. Ouais, je vais écrire vos pseudos partout sur l'île. Avec Remodil, j'ai que ça à faire. Pourquoi ça a enlevé ton message, Naoxy? Ah, parce que c'est écrit en groupe, d'accord. Streamlab, je suis désolé. Ouais, je crois que j'ai mis 5, mais je suis plus. Avant que ça. Épine. Une palette de grand-mère. Pour le coup. Bah non, parce qu'en fait, ils sont. Je crois qu'elles sont. Elles sont 5 sœurs, je crois, et un. J'ai un gros doute. Et après, il n'y a plus de couleur. Après, ils en ont eu marre, je crois. Je vois. Les autres. Je sais pas, mais il y a encore des prénoms sympas pour les filles. Genre. Au travail, j'ai une fille, elle s'appelle Violette. J'avais jamais entendu. Bon, ça va. Mon grand-père. Mon grand-père. Alors mes grands-pères, je les ai pas connus, des deux côtés. Guy et Hubert. Qui sont. Et c'est le. Là ils vont raconter sa vie. Qui sont les deuxièmes prénoms de mon frère. Et moi j'ai les deuxièmes prénoms de mes arrière-grands-pères. Clotaire et Albert. Ah oh, moi j'ai. Je m'appelle. Comme moi. Ah bah, oui, on peut s'écrire, Violette. Bon. C'est classe. Tous les animes. Alors, j'en connais. Je connais celui que tout le monde connaît qui s'appelle Shingeki no Kyojin.
Je sais pas si je dois dire ce que j'en pense. C'est peut-être un terrain un petit peu dangereux. Pose blanche, je dirais. Pose en blanche. Bah, pourquoi le... Clotaire. Moi, je crois que c'était avec un Y qui s'appelait... Enfin, après, peut-être que tu t'es trompé aussi, je ne sais pas. Et SNK, c'est mon anime préféré. Ouais, donc, il vaut mieux pas que j'en parle. Je vais te décevoir. Je vous laisse, on me kidnappe. Ok, kidnapping. Si t'as besoin d'aide, tu nous appelles avant, hein. Tu nous dis s'il faut qu'on appelle la police. Il y a encore un... Ah, c'est un ballon bleu. Bah, celui-là, je vous demande pas parce que j'en... C'est tout. Bim. Débardeur marathon. Par contre, tu peux pas nous sortir qu'une nuit. Ouais, voilà, c'est mieux. Ça me rappelle le premier... Ouais, mais le premier confinement, j'ai visité, c'était bien. C'est tout. Je suis triste. On découvrait le jeu, quoi. On s'attendait à des choses... qu'on n'a jamais... C'est combien une rampe? C'est deux, hein. Ton grand-père aussi, ça fait le... J'ai déjà tout le message, en fait. Alors par contre, attendez, parce que vu que j'ai des problèmes dans ma tête, si c'est pas aligné... Ouais, non, mais c'est pas possible. Est-ce que je fais un petit plateau comme ça? Là, je vais continuer un petit peu la forme du plateau pour pouvoir mettre quelques arbres et tout. Et une maison. J'ai raté quoi? Tu as raté ta vie. Non, rien. Je vais parler de mes deuxièmes prénoms. Donc pour l'instant, ça va. J'ai cette nostalgie. Oh! Tu peux montrer ta maison. Dans le jeu. Bim. Dans le jeu. C'est pas grave, si c'est pas aligné, tu peux faire un chemin en zigzag. Non! Tout doit être aligné. Et carré. Ah! Non, je rigole. Enfin, un petit peu. Mon prénom, c'est... Mon deuxième prénom, c'est le prénom du... Nunas. Pourquoi tu dis ça? Enfin. J'ai 100 tickets MyNuke contre 2. Non, je... J'en ai pas besoin. C'est quoi le prénom? Du coup, on veut savoir. Alors attendez, dans l'idée, si j'arrive à faire ça... C'est 6 stonks. Ma pire ennemie de prix. C'est rigolo, j'aime bien parce que vous me rappelez une époque que je ne connais plus. L'époque de l'école. Bonjour! D'ailleurs, vous êtes nombreux à reprendre là, vous avez déjà repris? C'est tellement bordel, ça. Enfin. On veut le nom, on veut le nom, on veut le nom. Ouais, 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 on veut le nom. Bon. Classique. Je suis déçu, je m'attendais à un de ces noms. Classique. Moi non, lundi je reprends. Ok. Ok, ok. Mad Bomb Ninja. Ninja, Ninja Bomb. On va taper. Madja. Ou Bobja. Je me prends la tête. Et ben j'espère que tu vas bien. Ninja. Ninja, j'ai repris la semaine dernière.
mais en distanciel. Maintenant, c'est du semi-distanciel, mais j'habite à 400 km de ma prépa. Tout va bien. Tout va bien. C'est trop loin, franchement. Moi, c'est Émilie. Tu connais Charlie Michel ? Moi, je connais. Mais des fois, elle passe. Je l'ai déjà vu passer. Ici, sur le lac. Les parents, ils me sortent. Oui, mais c'est joli. Je comprends pas pourquoi tu me... Bon, ça va, hein. Bah, tu dis, il y a une fille, je connais, je l'aime pas. Je suis joué de l'humeur des personnes. J'avoue. Il y a encore un ballon. Attendez. Je suis assis sur mes jambes, mais c'est pas possible. Ah. Bon, en fait, j'ai pas changé. J'ai juste me suis relevé parce que j'étais en train de m'affaisser. Venez, on change de jeu. Non, en fait, je rigole. Tiens. Go Paper Mario. Oh non mais tu sais que c'est trop la tristesse. Je sais pas parler, mais bon, c'est pas grave. C'est trop la tristesse ce jeu parce qu'il est intéressant et il est pas nul. Mais je sais pas. J'ai abandonné, j'ai jamais réussi. Je travaille toujours au même endroit, oui. À mon grand désarroi. J'essaye de faire un truc. Hein. Oui. Bah, enfin, là, je suis en vacances. Au moment où vous n'êtes plus en vacances, moi, je suis en vacances. Ah là là. Non, mais il me restait des jours à poser. Comme il y a deux jours fériés d'affilée, là, le premier et le samedi 8. Ouais, c'est ça. Oh, je me suis dit, vas-y, vu que moi, je travaille le samedi à la base, je vais profiter pour poser des vacances, comme ça. Je ne travaillerai pas les samedis, parce que travailler les samedis, c'est infâme. Infâme. T'es encore en vacances? Bon, ça va, hein. J'étais en vacances... Ah, j'ai fait un truc, là. Ah, j'ai fait un truc. Bonne vacances. Merci. Merci, maman. Personne va comprendre. Oui, j'ai... En fait, j'avais pas pris de vacances. On a le droit à 5 semaines de vacances par an. Faites-vous l'idée parce que c'est à peu près la base. C'est la norme, entre guillemets, la base en France. C'est pourquoi ça quand vous travaillez. Bon, il y a des exceptions. Hein. Si vous êtes prof, tu passes ta vie en vacances. C'est 5 semaines de vacances par an, à peu près. Environ, moi. Et en gros, bah, j'avais pris... Donc, pareil, c'est compliqué, mais en gros, les vacances, tu peux les prendre à partir du 1er juin jusqu'au 31 mai. C'est comme si c'était une année scolaire, tu commences le 1er juin... Enfin, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Mais en gros, moi, c'est comme ça. Du coup, j'avais pris des vacances pour déménager en juillet. J'ai pris 5 jours. Pour faire une semaine, parce que si tu prends 5 jours, tu prends... 5 jours de la semaine, plus t'as tes 2 jours de week-end, de repos. Du coup, ça fait que ça fait 5 jours et finalement, ça me fait une semaine réelle. C'est compliqué. Donc, j'avais pris 2 semaines quand c'était fin novembre, début décembre. J'ai pris 2 semaines, celle de fin novembre et celle de début décembre. Et j'avais pas repris. Il me restait du coup 16 jours à poser avant de les perdre. Et du coup, bah, j'ai déposé en mars, là. Fin mars, j'ai déposé quelques semaines, 10 jours, quoi, 11 jours. Et là, j'ai déposé donc, les 6-7 jours qui me restaient. En gros. Et à partir du 1er juin, j'ai 5 semaines à poser. Et ils m'ont forcé à poser 3 semaines d'affilée. Je suis trop naïf.
3 semaines en octobre, là. Je sais pas ce que je veux foutre en octobre. Enfin, début, fin septembre, pardon. Ah, j'ai posé que 2 semaines. Oh, je sais plus. J'espère que j'aurais changé de travail. Bref. Alors, qu'est-ce que vous dites? T'as bien été où? À Tourcoing. Tourcoing. C'est à côté de Lille. Ouais. Roubaix, Tourcoing. Lille, Roubaix, Tourcoing. C'est tout. Hop. Et qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce... Là, ça me plaît pas. Alors, j'aime bien regarder ça. Mais ça, c'est pareil, mais je fais des trop grosses rivières. Faut que je fasse des petites rivières. Ça fait quoi comme bac? Bac S. Oh là. Je pense que j'aurais pas dû. Mais c'est trop tard. C'est où qu'il veut pas ou qu'il veut? Hein? Pour l'ASMR là? Ouais non. J'aime pas. Ça m'ennuie. Là je pense que je vais clôturer... cet accès là. Il veut nous raconter sa vie avec la question. Bref. Je peux, hein. J'ai pas grand chose à raconter de toute façon. Ah bah, comme je fais ça en même temps. Il est quelle heure? 14h17. Ok. J'ai. Oh, mais... mais non! Non, vous connaissez pas toute ma vie, vous inquiétez pas, il y a des choses que je vous dirai pas. Il y a des choses que je vous dirai. Qu'est-ce que tu me veux, toi, là-haut? Attention, je t'embrouille. Hein. Elle va suicider. C'est quand mon anniversaire? Le 16 juin. Je pense que j'ai fermé. Hop. C'est la musique, elle me rend chiant. C'est Molly. Elle me juge. Fais travail, pleutre. Pendant que moi, je me promène sous le beau soleil. Travail. Vermine. Je pense que là, on va faire un espace détente. Et ici, on va un peu fermer le truc. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une espèce de chaîne de montagne au milieu de mon île et que derrière, ça soit plus... Ok. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, ça va être un point repos pêche. Disons ça comme ça. Moi, après, si vous avez des codes oniriques, il n'y a pas de souci. On fait des trucs. C'est plus facile à organiser avec du coup. Attendez. Si par hasard je racolais les deux morceaux là. Ah, c'est compliqué, hein. Franchement, et en vrai, c'est super compliqué de partir d'une île où il n'y a rien. Parce que t'as pas de forme et tout, faut vraiment dessiner à la main. Alors que... Mais allez, rapproche-toi la chaîne. Merci. Si je n'avais pas... fait comme ça. Coucou. Alors, tu peux mettre ton dodo code, hein. Bon, t'as pas besoin de spammer partout, quoi.
Et si je n'avais pas fait comme ça, j'aurais pu me servir de ce qui était déjà bâti pour... vous voyez, un petit peu braquicoler. Ça ne veut rien dire. Ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais bien mettre plus d'eau, mais il faut que mes cours d'eau ils prennent trop de place et ils sont nuls. C'est compliqué de partir de rien et de construire au fur et à mesure. Une furie à mesure. Pourquoi notre anniversaire c'est le jour de notre naissance, un jour qu'on choisit. Qu'on choisit même à partir de je sais plus. C'est intéressant comme question, pourquoi pas d'ailleurs. Après, c'est le but de l'anniversaire, quoi. C'est de fêter le jour de ta naissance. Donc, faudrait l'appeler le jeu. Bah après t'as les. Tu peux faire aussi les fêtes des saints. Tu sais, la Saint-Raphaël, la Saint. La Saint-Truc, la Saint-Bidule, allez, tu te dis voilà, go. Bon, c'est sur le calendrier et tous les prénoms sont pas dedans, quoi. Enfin, c'est normal, c'est un calendrier un petit peu à la base. Un peu cato. Touloulou. C'est pas bête. Tétam ZZ. C'est pas bête. Tu vois, quand tu veux, tu peux dire des choses intéressantes. C'est méchant. Ça tire à balles réelles. Comme ils disent les jeux. Là, je vais mettre une maison, je pense. Et du coup, je vais l'enfermer. Et du coup, je voudrais mettre un pont pour arriver à cette maison. La question je me pose, est-ce que si nous on voit l'eau mais pas l'air, les poissons voient l'air et pas l'eau? Je te découvre aujourd'hui, alors... J'adore ton contenu. Oh bah merci. Après, yo, bienvenue. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais vraiment que quand j'ai la foi, c'est-à-dire pas souvent. Non. Non, les poissons, ils doivent faire comme nous. En fait, c'est pas une question de... T'es en quelle classe? Galaxie? Ah, tu peux, si tu as le... Si tu as le Discord, tu peux, ouais. Ah, mais sinon, tu peux le mettre sur le Discord. Sur le Discord que j'ai créé, là, il y a une section onirique. Code onirique tout en bas. Vous pouvez mettre. Comme vous voulez. Tout ce que vous voulez. Par contre, je vais juste faire ça, parce que je pense que ça va m'embêter. J'ai cassé les gars, je suis en 6ème. Ouais bah t'auras ta réponse. Je vais pas te spoil l'école, t'inquiète. T'auras ta réponse à ta scolarité. Vous avez les deux codes pour visiter. Bah moi le mien je fais pas là parce que... Parce que je suis en mode remodel quoi, du coup faire venir et tout ça prend un temps fou.
Mais en tout cas, je peux passer par code onirique, c'est plus facile. Si jamais. Là, je vais mettre une maison, je pense. Dans son petit coin. Et du coup, si on veut passer de l'autre côté de l'île, il va falloir passer par la montagne. Parce que la montagne, ça vous gagne. Ouais. Ça me saoule. Moi, j'aime pas la plage. J'aime pas la montagne. J'aime rien. J'aime bien chez moi. Ah bah attendez, si j'ouvre pas Discord pour avoir les codes oniriques, ça va être nul. Hein. Ah bah y'en a. Bon, c'est bon là. Ça t'en est, je sais plus. Cool, y a pas 1000 personnes, sinon ça spamme trop. On est d'accord. Oui, de toute façon, on est jamais beaucoup. Hein. Tu sais, moi je ne marche pas beaucoup. Oh, 40 c'est très bien, hein. Ça me va très très bien. Je ne perce pas, je ne suis pas en mode. Tu n'aimes pas la musique de 14h, tu n'aimes vraiment rien. Chut. T'aimes pas la montagne, c'est un émoji choqué. Non, pas plus que ça. J'aime pas la merde. Quelle lumière blanche qu'on voit quand on meurt, c'est la lumière blanche de l'hôpital. Okay. T'as été déjà à l'hôpital? Moi je trouve que c'est pas très bon. De se sentir bien chez soi. Exactement, exactement! Bon, on pense à chez soi. Chez soi. On n'est pas tous dans un hôpital. Non. Les messages sont envoyés une fois sur 3. Il n'y a pas un mode ralenti. Non, il n'y avait pas de mode ralenti. Ouais, de toute façon, il n'y a pas besoin. Ça passe en fait. Par contre, c'est bien beau de faire des étages et tout, mais il me manque un. Je joue pas assez avec le troisième. Bon, j'ai encore le temps. Le pire, en fait. Le pire. Le pire avec cette musique de 14 heures, c'est qu'elle reste dans la tête. Et qu'on passe son temps à la chanter alors qu'elle est chiante. Je boude. Je boude tout d'un coup, tes messages ils vont respawn. Ça va. Il est vrai. Alors. À 30, si vous avez un code générique d'une ville ou quoi, même si c'est même pas la vôtre, hein, un truc genre de ouf. On sait pas quoi, quelque chose. Go. Vous avez une minute. Non, c'est nul ça comme débat. Enfin, un chocolat ou truc. Oh là là. Pauvre maman, t'as cassé ta mère. De faire le tour. Allez, faisons pas le. Il n'y a pas de débat. Ça y est, les 30. Alors, on va chercher un code onirique. Une tenue d'héroïne. Ouais. Bof, 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 bof. Venez. On cherche des codes oniriques. Je suis sûr qu'il y a un truc où on peut voir des codes. Top. Onirique. Code. Assez. On cherche des trucs de ouf. S'il te plaît. Fais voir. Allez, on va chercher ça.
J'arrive pas. You don't y arrive. Là, on va mettre une petite maison, je pense. Et un petit pont, là. On mettra une petite cascade. Ça fera plein de bruit. Ah, c'est pas trop mal. Ah, il y a de l'idée. Ah, c'est pas trop mal. Là, j'aime bien. Salut Sianaya. Salut Kéké. Faudrait que je décore ici, je fasse les petites décos. Les petites places, là. On verra. Hop, 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 la maison. Ah ouais, non, mais faut que je quitte Remodel. Yeah, voulez-vous arrêter? Yes. Vous avez dit quoi? J'ai faim. Il est que 14. Désolé, je ne parviens pas à me connecter à Internet. Le routeur et l'appareil Echo semblent être à l'origine du problème. Veuillez essayer de les redémarrer. Débranchez les piles et deux et rebranchez le routeur. Passez 30 secondes. Une fois que le routeur est allumé et connecté à Internet, branchez l'appareil Echo. Bah, tais-toi quoi. T'as même pas lavé la main pour parler? C'est dingue ça. Oh, ça m'interrompt comme ça pour parler pendant des heures. A plus Xelo, à bientôt. Je veux rêver. I want to dream, to dream. J'ai froid. Pourquoi j'ai froid? Utiliser un code. Allez, prenons un code au pif. 1, 2, 43, 51, 64, 83, 31. Couillet, comment vas-tu? Coucou, ça va. Ça va, ça va. Je suis en vacances, donc ça va. Blablabla. Alors comme ça, n'avons pas ce qu'il était interdit. C'est quoi? Allez. On est mis où nos codes? Sur le Discord, il y a un truc code onirique. Tout en bas. Jamais. Alors, est-ce que c'est une ville belle? Une belle ville? Bah ouais, je prends là, allez, go visiter. Go visiter, ça se trouve, c'est la pire île du monde. Open your eyes. Give me your hand. Ouf. Je pense pas que ça va être la pire île du monde. Allez, allons se faire un petit peu de mal. Vous voyez, regardez toute l'eau, c'est vachement cool. Et il y a plein de petits circuits. En fait, il faut faire des petits circuits d'eau fermés. Moi, je sais pas faire ça. Ils sont petits, vous voyez, les petits trucs d'eau. Faut, aspirons-nous. Prenons de l'inspiration. Oh, t'aurais pu, mais je crois que j'aurais oublié. Par où on commence? Un cadeau. Ah, j'ai été fauché. La carte est chargée. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime. Ça va. Une perche. Et une échelle. Oh merde, excusez-moi. Oh. Bon, la mairie est bizarrement placée. Attends. Ça, j'ai voulu le faire. Ah, c'est sympa. Ah, c'est tropical. Ça, j'ai voulu le faire, là, faire de l'eau et tout, avec un pont à l'entrée. Ça m'a gonflé, alors j'ai arrêté. C'était pas comme je voulais. Je vais revenir à gauche. Ah bah, y'a rien ici. Ah, y'a un campeur. Ah non. Y'a personne, en fait. Un campeur. Mais c'est pas fini, ici. Allons de l'autre côté. Ici, on a le magasin. On a... Le truc s'est jeté dans l'eau.
Voilà. Il y a des petits cœurs. Regardez, il y a un lac. Il y a la petite terrasse. Sympa. Vous me dites quoi là? Je crois que c'est pas original. Non mais alors on va vraiment pas être copains. Le chocolat c'est la vie. Je suis accro au chocolat. On fait une petite île. Comme ça, allez. Je suis accro au chocolat. J'adore ça. Ces murs cascades et tout. Maison, là, un petit quartier de résidents. Là, il y a un petit truc. Vous me dites quoi, là? Salut, vous faites quoi? Salut, bah là, je visite une ville onirique. Que j'ai cherché sur internet au pif. Trop bien, la double petite cascade comme ça. C'est du lit. Indispensable. En plus, le chocolat, c'est une drogue. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose. On va peut-être passer par là. Pas passer par là. Saute. Ouais. Kinder Bueno Country. Oh, tais-toi. Tais-toi. Arrête. Bon, j'arrache toutes les fleurs. Là, il y a un petit coin pêche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est Monica. Monica Bellucci ou pas. Il y a un petit chemin. Oh trop bien. Il n'y avait pas un moyen de faire un... Il n'y avait pas un raccourci là. Avant ça buguait pas et tu pouvais pas sauter à travers la montagne comme ça là. En mode passage secret. Et je crois que ça a été corrigé je crois. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça à un moment. J'ai mal aux yeux. Oh une petite bibliothèque. Par contre, j'aime pas trop ça. Regardez, quand il faut faire ça pour pouvoir passer. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit verger. Ça, il y a beaucoup de monde qui ont fait un petit verger comme ça. Petit coin pique-nique. Trop mignon. Ouais, elle est sympa, hein. C'est plutôt... J'aime bien. J'aime bien. Après... Elle paraît vaste parce qu'il y a plein de petits endroits, plein de petits bidules, plein de petits chemins, plein de petits, oui, plein de petits passages, un petit jardin, tranquille, tranquille. En fait, avant de faire tout ce que je fais sur mon île, il faudrait d'abord que je place des maisons, que je décide où je mets ma maison, parce que au final, là, je suis en train de faire un truc et puis je le fais dans le mauvais sens. Je vais traverser là parce que je crois que j'ai vu. Ok. Ça me fait penser à celle de Boami Gaming ou un truc comme ça. C'est le côté tropical, je pense. Il me semble qu'elle avait fait un truc tropical si je me souviens bien. Il me semble. Je me souviens plus trop trop. J'aime bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de petits trucs, des petits passages, il y a des endroits où, un petit peu fouillis. Je me permets, hein, je critique, mais je dirais pas que je fais mieux. Je dis pas non plus que ce que je fais, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, ce que je fais, j'aime ce que je fais. Oui, ça j'aime. Ça t'a pris combien de temps pour faire l'île de Charlie? On a pris combien de temps? Vous vous rappelez? 20 minutes? 15 minutes? Bon, j'ai vraiment pris mon temps. Hein. J'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai tourné en rond. J'ai vraiment pris mon temps.
On va où là? Je suis perdu. Mais c'est voilà, c'est mon problème avec cette île entre guillemets qui est sympa. Hein. Je trouve que c'est sympa, c'est mignon et tout. Mais je suis perdu. It's interesting. Bon, elle est un peu plus. L'île de Charlie, elle est un peu plus dure que l'année dernière. Du coup, elle est un peu c'est plus intéressant. Flower is a flower. Personne n'aime. Eh ben, si, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat et j'en connais. Ouais, ça m'a choqué. Je leur parle plus, ces gens. C'est pas possible. Je peux percher là ou pas? Chou! Ah oui, c'est vrai. En fait, c'était prévu. C'est juste pour passer. Une nourriture préférée. C'est pas possible. Coupillette. C'est quelle île? Je sais pas. J'ai pris une île au pif en code onirique. Laissez-moi descendre. Laissez-moi. Et là, je trouve ça un peu moyen. Au secours, je suis perdu. Celui que je voulais, j'ai tout fait. Ok, Jeannot, à bientôt. C'est Jeannot Lastico. Il s'en va vers d'autres numéros. Yo, salut. Tu es team bonbon égal meilleur que team chou. Non. You can do that. Mais regardez, là, c'est bizarre, non? Pourquoi on va où pour... Enfin, on arrive, on est dans les fleurs. Ça va pas. Non, il y a que moi que ça choque. Je suis bloqué. Mais il y a un chemin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai raté beaucoup. Presque une heure. Tu fais quoi? Bah j'essaye de visiter une île. Mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon là, on a déjà vu du coup. On a fait le tour par là. On va essayer de changer. Ici on a vu. On n'avait pas vu. Mais c'est. Ah si on a vu. Je comprends rien. Au secours. Ah, y a un chemin là, non? Je sais pas trop. Ok, bah. Là on n'a pas été là. Le café des étoiles. Là on n'a pas été. Alors ça mène où ça? Mais j'aime pas ça! Comment je pouvais savoir qu'on peut passer derrière? C'est pas intuitif. Bon, c'est pas grave. C'est moi qui suis nul. C'est tout. On va dire ça. Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait une pente là. Non, on la voit pas dans ce sens là. Bon, j'aime bien son île, elle est belle, elle est charmante et tout, il y a plein de petits trucs. Par contre, pour moi, c'est trop bordel. Je suis paumé. Qui aime la vanille? Bah, j'aime bien, mais je trouve que c'est un petit peu écœurant. Voilà, je préfère le chocolat. Oui, mais j'ai un problème avec le chocolat, donc ça compte pas. Ça, ok. Rentrons à la maison. Non, rentrons, j'ai dit. Serena, veux-tu te réveiller? Je vais me réveiller. Non, je m'étire. Tu sais, quand vous étirez trop, après vous... Vous êtes...
Attends. Venez, on boit. Trinquons à notre super visite. Qui c'est pas. Oh mince, vous avez vu la marque. Moi je vais jouer à Animal Crossing. Salut! Eh ben bon jeu. Oh. Ouais, bon alors. C'était sympa, hein, mais. Attendez, on va en faire une autre visite. On fait une dernière visite, après on verra. On verra ce qu'on fait. Je veux rêver. Quoi, vas-y, quitte. Vous dites quoi? J'ai pas suivi. Je veux jouer. Oui. Qui veut des clous? Ce n'est pas mon lit, mais elle est trop belle. Alors, ouais, bah peut-être qu'on en fera d'autres du coup. Un jour, mon île est me donné des conseils car j'ai tout cassé et je sens que je. Pas me plaire. Oh, mais alors. Comment dire? Alors, du coup. Attendez, on visite celle-là un peu rapidement, puis après, on regarde les vôtres là. Gardez-les bien de votre côté. 43, 15. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, donner des conseils, tu sais, moi je suis en train. Je n'avance pas sur mon île tellement je galère parce que ça m'énerve. Du coup, je suis parti jouer à d'autres jeux. Et du coup, vous dites quoi? Un jour, mon île donner des conseils. Ouais. Quoi donner? Ok, je. Garde-le, on va aller. On y va. Go faire une visite pour plus savoir la musique de 14h30. On est d'accord. Tu vois? C'est. Tout réfléchi. Garde. Non, Redine, on le fait après. On fait ton île après. Garde-moi le code, quand je te dirai, envoie-moi ton code. On visite juste celle-là, après on fait après. T'inquiète, TKT. Énigme. Une personne est au centre d'une pièce en forme de cube dont les murs sont faits uniquement de miroirs. Combien y a-t-il de réflexions de lui dans le miroir? Oh, c'est infini. Maintenant, ouvre les yeux. It's infini, tu dors profondément. Après, on va visiter Noureddin. Ah. Oh, excusez-moi. Alors, prenons la carte. Bah si, c'est infini. Est-ce que t'as déjà mis deux miroirs face à face? Déjà deux? Bah, elle paraît complètement vide, l'île, en fait. Pourquoi je me fais... Oh. C'est full bleu, c'est trop beau. Bah si. T'as déjà mis deux miroirs face à face? En fait, ça fait le truc qui va être reflété. Le miroir là va refléter le reflet, qui va refléter le reflet du reflet, qui va refléter le reflet du reflet du reflet du reflet du reflet. Et en fait, ça va faire un... Chocarla vient juste passer un petit coucou. Ouais, alors on va essayer de visiter le plus possible. Hein. Alors j'espère que je vais réussir à tout caser. Ok. Oui, mais c'est pas ça. Oui, bah donc du coup, elle est nulle ton énigme. Elle est fausse. C'est trop bien son île toute bleue. C'est intriguant. C'est joli. C'est simple, hein. Y a pas grand chose au final. C'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Attendez, je me bouche.
C'est bon? Ok. Et la réponse est quoi du coup? Mais enfin ils ont fait quoi? C'est trop rigolo, c'est chelou. Zéro, il n'y a pas de lumière, donc l'énigme est pas faute. Ouais. C'est pas impossible. Oui, c'est vrai. Finalement, regardez, c'est tout simple en fait. Vous regardez la carte, il y a l'impression qu'il n'y a rien. Oh, c'est trop beau. Mais c'est trop bien fait. Là, on passe par là en fait. Regardez les racines et tout, ça rend trop bien. Ça fait très graphique, comme île. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment beau, je suis stupéfait. Oh, il y a toutes les tentes là. En fait, c'est le pays imaginaire de Peter. C'est pas mon style, mais... Oui, bah voilà, moi c'est pareil, c'est pas le style que je ferais moi, mais ça rend... Enfin, je sais pas, je trouve ça joli. Les hortensias bleues partout. Il y avait un truc qui me... a collecté toutes les autocollants dans la chaîne de maïs dans l'application magique intitulée nous verrons cela non. Ah c'est faire tous les maïs là, faire 5000, je crois que j'ai pas fini non. Donc j'ai pas fini. Bon j'ai un peu abandonné l'idée. Oh trop bien. La fausse pierre de Rosette qui est bleue, du coup. Ah. C'est sympa, hein. Les bibliothèques extérieures, j'aime bien l'idée. J'aime bien. C'est dommage, en fait, parce que ça fait un peu bizarre, quoi. Serait sobre. Oh, je dirais pas sobre, je dirais... Sob, c'est quand même quand il n'y a pas grand chose. Quoi. Enfin, c'est très. Oh non, c'est pas pareil que. Si sob, c'est qu'il faut pas en faire trop. Faut que ça reste. C'est. Oui, j'aime bien. C'est. Je sais pas. Je sais pas comment dire. C'est très pays enchanté. Bonjour, je suis nouvelle. Bonjour nouvelle. Moi c'est Thomas. Oui, get. Oui. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Le musée qui est caché en mode caché. Oh. Les bassins un peu asiatiques. Je rêve où ils ont fait même le motif. Le motif du reflet du coussin chrysanthème. Parce que là, il n'y est pas à la rigueur. Mais en dessous, regardez, il y a le. Le motif, c'est le reflet du coussin chrysanthème en fait. C'est trop bien. Donc, oui, il y a une arche en pierre. Hein. Voilà, c'est plus les champs là. Bon, là-bas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en vrai, vous m'avez donné envie de prendre Pokémon Snap pour faire du chill, quoi. Mais bon, ça me saoule de dépenser des sous. Bon, après, ça peut être intéressant.
Je vais partir. Ah, plus Galaxy, merci d'être passé en tout cas. A bientôt. Le petit... Voilà. Bah c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Je trouve ça différent de ce qu'on voit d'habitude, ça fait du bien. Et c'est pas moche, non. Salut le papillon. Non, j'aime bien. En plus, on a un chemin qui fait bien tout le tour, on comprend où on va. Je vais partir aussi, je vais voir la Mamita. Eh bien, bonne journée et bien bonjour à Mamita. Attention, hein. Il y a Corona, hein. Faites pas de bêtises, hein, Mamita. C'est pour Mythopia qui sort dans 20 jours et au pire tu peux commencer la démo et reste sauvegarde dans... Alors Mythopia en fait on l'a déjà tout fait en live. C'est vu que c'est exactement le même jeu que sur 3DS. Alors, en fait on l'avait déjà fait à ce moment là. Vous avez adoré hein, mais le refaire ça serait malhonnête. Oh, j'aime bien les petits lacs, je trouve ça beau. Bon les habitants ils en ont rien à foutre, ils passent au milieu de tout. J'aime bien. C'était vraiment bien. Je pense qu'on va partir. C'était vraiment neuf. C'est rafraîchissant visuellement parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On n'avait jamais vu ce genre de truc. J'adore. Allez. Noureddin. C'est le moment pour ton code onirique. Ouais, mais il y a quand même... Quelques différents, genre les chevaux, les nouvelles que je me suis pour les mis. C'est tout. Allez, très bien. C'est... Bah, j'ai pris une île sur un truc au pif. Enfin, je vais pas aller plus loin si tu veux. Bah, ça m'embête de refaire exactement le même jeu en fait. C'est surtout ça le problème. Voilà. Il nous aurait dit. Salut, salut, bonjour les gens qui passent. Les gens qui passent. Les gens qui passent. Tu veux bien ton code onirique? Alors attends. Je vais le mettre à côté. Pas l'oublier, hop, voilà. Ah mais en fait j'avais déjà fait un... Je suis débile. J'avais déjà fait un salon code onirique sur notre Discord. Et je suis tubé. Voilà. Attendez, dès que je comprends... Okay. Il est où Noureddin? Ah, mon côté, ok. J'espère que sur ton île, il n'y a pas que deux arbres et trois maisons, hein. Bon, ça va être rapide, tu viens. Ça t'irait si tu as le temps de venir visiter mon île après. Par l'aéroport ou par rêve, comme tu veux. Alors, je vais essayer. Bon, vous êtes nombreux à, du coup, vouloir que je visite. Ce qui est normal, je comprends tout à fait. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. J'essaye un petit peu de... Ah ouais, je veux ça. Moi, je veux bien ça. J'ai vu Sindouille. Eh Sindouille. Je vais le marquer sur le Discord. Île de quelqu'un, je vais mettre. Et île Nintendo Offi. Bah, je crois qu'elle est, elle est pas un peu nulle, leur île à Nintendo, là. Qui en a marre du Covid, mais... Ah, moi, j'aimerais... Moi, je... Non, ça me va. Vu que je reste chez moi, enfin non, je reste pas chez moi, je travaille moins et je touche autant d'argent à travailler moins, moi je dis pas non. Noureddin, tu es là. Alors, 46. En fait, ce qui m'embête avec les codes, des dodo codes et venir dans vos villes,
Ce qui m'embête, c'est que souvent en live, c'est chiant. Parce que le temps de rentrer le code et tout, il y a toujours plein de monde qui vient. Et ça fait perdre un temps fou. Et pour peu qu'il y ait un petit souci de connexion, bah, tu te fais ça te fait quitter la ville et tout. Enfin, c'est assez. Ça peut vite tourner un truc un peu plus relou et. Quoi? Bah écoute, Noureddin, ton code d'Onirique, il doit pas être bon parce que. Ça marche pas. Voilà. Voilà. Je regarde si c'est bien le code que tu me lignes depuis tout à l'heure. Je vais essayer. 46. 42. Alors que le code générique, tout le monde peut le prendre. Ça pose pas de problème, quoi. Il n'y a pas d'embouteillage ou je sais pas quoi. Après, c'est moins interactif, c'est sûr que. Enfin. Bof. S'il te plaît. Hein. Barbara. Ok, Sylvie. Non, bon, ton code il marche pas. Okay. Bon. Alors. Il y avait un autre truc. C'était toi qui avais une ligne qui était pas à ton île. Où es-tu? Bah là, je trouve plus. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah bah. Ah bah bye. Ok, ceux qui partent. Il y a pas de soucis. Je suis un monstre. Je suis un démon. Tiens, je te laisse les emojis, même si je pense que le bot il va. Aïe! Oh, j'ai fait mal. Je crois que le bot il t'a pas aimé, Noradin, il t'a supprimé tous tes messages. Oh, c'est chelou! Salut ceux qui arrivent! Allez, au pif. Idiot. Oui! Je t'écoute. Je crois que j'ai fait. Regardez, j'ai fait les 1005 heures. Mythopia. Changement de plan. Le live il marche toujours. Ah oui. Pourquoi mes messages ils s'actualisent plus? What the fuck? Mon tête est cassée. C'est pas grave. Quand il y a un souci, il faut faire comme si rien ne se passe. Enfin, tout est bien. Kokoyashi, ah, c'est correct, ok. Bah écoute, Barbara, tu m'as dit que ton île n'était pas finie. Est-ce que ça t'embête de la finir avant? Parce que souvent on a des îles, souvent on me demande de venir voir des îles et puis en fait les îles sont tellement pas finies que bah, y a rien à voir en fait. C'est pas contre toi, hein. Du coup bon, bah, c'est assez 46, 42, 68, 51. Ah. Ok. C'est bon Noradin, je l'ai gardé ton code, on verra après. On voit juste après. Je te conseille les maisons, d'accord. Ok. C'est parti. Fais le beau rave. Ah bah dans 10 ans. Bah ok. Non mais je dis pas non plus.
Il faut qu'elle soit finie, parfaite et tout. Je rigole. Hein. J'aime bien ce qu'il pleut. Du coup, ça donne pas la même ambiance et moi j'aime. Attends, j'essaye de... Je ne sais pas dans quel sens aller. Ouh, les petits parcs de jeux. Oh non, il y a un manège. On s'en va d'ici. Ici, le petit coin officiel. Et du coup, tu sautes là, comme ça? Le petit coin pique-nique secret. Et là, en dessous, c'est quoi? C'est un petit café des falaises? Un truc de craft? Ouais, j'aime bien. Des champipis. C'est bien aussi. Bon, je pense que tu vas être en mode... Mais non, tu vas pas dans le bon sens! Parce que je pense que je vais pas dans le bon sens. Un petit peu. Un quartier des habitants. Ça, c'est bien. J'approuve. Oh, et tu l'as fait avec une place. Sur ma... En fait... Sur la deuxième île que j'ai faite, avant qu'elle soit reset par celle-là, eh ben, c'était l'idée. De faire une espèce de d'arrondi avec les maisons. Toutes les maisons et tout. On a eu la flemme, au final. J'ai pas fait. J'en suis à Paris. Jusque... Nadine. Eh, c'est Nadine. Moi j'aime bien ça. J'aime bien les quartiers des habitants, j'aime bien. Je trouve qu'au moins tout est là. Le petit pique-nique dans l'air libre au-dessus de la mairie. J'ai tout traversé. Là c'est un pont. Enfin ça. J'imagine dans l'idée. Hop. Je comprends pas, j'arrive pas à envoyer des messages. C'est bizarre. Attends, j'ai rien fait. Ah, le SMS qui veut dire c'est bientôt fini. Enfin, c'est-à-dire dans 20-25 minutes, on arrête. Alors du coup, traînons pas, et Noureddine, il faut qu'on nous visite à vite, je lui ai dit. Ah, j'ai... mince, l'entrée, elle est là. C'est mieux dans ce sens-là. Ok. J'ai presque rien suivi, je suis deg. T'as raté ta vie. Yes, it is. Oh, je suis trop méchant. I am trop méchant. Waouh. Waouh. Je me suis perdu dans les fruits. Des silos et tout. C'est cool, c'est sympa, c'est chill, comme ils disent les jeunes. Avec un... Oh, un petit lac de pêche, c'est trop bien. J'aime bien l'idée, je veux l'idée. T'as un petit parcours là, en dessous, qui fait tout. Oh, c'est trop bien, c'est cool. C'est trop bien, ça. Je sais pas, je trouve ça trop bien. Ça, c'est pour aller où? De l'île. Ah! Attends. Ah non. Free. C'est pour là en fait. Et le camping. Oh, cette allée, tu nous as fait une méga allée là au fond là. Quoi? Ok, je pensais que...
Quoi? Désolé. Hop, Toup. T'as tout un chemin qui fait tout le tour, c'est sympa. J'essaie de retrouver le chemin. Il y en a là. Bon, je regarde ici. Et il m'a dit la maison aussi. Rentre dans la prochaine entrée. Fais la barre. Je vais aller voir. Ah oui. Un petit bar. Et là, on a un petit quartier aussi d'habitation. Une petite maison bleue. Ok, Barba, pas de soucis. Hop, et du coup, là, c'était le petit chemin. Ok. I understand where am I. Oh, les rochers. C'est sympa à faire aussi, ça. Bon, c'est chiant à faire, mais c'est sympa. À mettre tous les rochers. Tu sais, mais la clôture végétale, ça me saoule parce que j'arrive pas à la réavoir. Sur cette île-là, je n'arrive pas à la réavoir. Ça me saoule trop. Alors que c'est une de mes préférées. Yo, salut. Yo, salut. Je vais remonter là-haut. Il y avait un petit chemin. Il y avait un petit... Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. C'était là. Bon, là, on a été. Ok, là. Et une maison qui est là. Ok. La maison. Go. Nous, on descend. C'est pas évident. Oui. Maison. Ah, c'est ce truc de la fête des moissons, ça. Je l'ai pas faite du tout, je crois. J'ai rien fait. C'est galère. Non, mais je comprends pas tout ça. Aïe, 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 je me suis... Ah, j'ai plus de sang dans le pied. Oh. Qui connaît Pokémon X? J'ai fait tout le let's play quand c'est sorti à l'époque. Sur la chaîne. D'ailleurs, ça fait partie des vidéos les plus vues de la chaîne. J'ai jamais compris pourquoi. C'est cool. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'aime bien. C'est sympa, la maison. C'est bien parce que... Enfin... J'aimais l'idée parce que du coup t'as pas. T'as pas fait la même mission. Pas bien. Ouais, j'ai pas fait. En fait, ça c'est un moment où je jouais plus du tout au jeu. Tout ce qui est Noël. Fête des moissons. J'ai plus du tout joué au jeu. Je jouais plus. Ça m'a saoulé. J'aime bien. Oui, je disais, je vais finir ma phrase. J'aime bien parce que dans ta maison, tu vois, tu n'as pas forcément mis tout d'un même set de déco par pièce. T'as vraiment varié. Et je trouve que c'est cool. Parce qu'au final, ça marche plutôt bien. Moi, je recommence mon île de zéro. C'est marrant que tu écrives je recommence mon île de zéro. Avec le N apostrophe il. C'est rigolo parce que, en fait, à l'oral, on le dit mon île parce qu'on fait la liaison avec mon. Et toi, tu as écrit la liaison. C'est trop fort. J'aime trop. Voilà. On dirait un espèce de. D'hôtel. Une suite. C'est sympa. J'aime bien. Les palmiers d'Arès, je crois que ça fait partie des trucs les plus beaux. The plus beau.
Et en haut, du coup. Ah, je voulais qu'on visite l'île de Noureddin, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Goûte où ça lui donne. La petite cuisine. Ouais, j'avoue, j'aurais dû. Faut que je fasse la fête des moissons, faut que je la récupère parce que. La rattrape. Parce qu'il y a tous les ustensiles et toute cuisine. Ouais, faut que je me dépêche, parce que j'avais dit, hein, quand je reçois le SMS, c'est-à-dire que c'est bientôt la fin. Donc il faut vraiment que je... Pas qu'on traîne. Ah. Ah oui, le bot, il est... Quand il y a trop de... D'émotifs, supprime les messages. Alors, attends. Ah oui, d'accord, je vois, c'est là-bas. On avait vu ici les magasins? Je suis même pas sûr. Les magasins? Je crois que j'avais vu des choses. La petite machin. Le petit musée. Ultra mis en la valeur, c'est cool. Ah, et l'orage. La petite piscine. Trop bien. C'est pareil, plage. C'est Paris plage. Ah, j'aime bien aussi le c'est quoi le nouvel arbre là, le focaccia? Non, c'est pas ça. Le jaune là. Je sais pas, mais je trouve ça pas. Alors ici c'est le. T'as une idée des créneaux du futur prochain? Oh. Comme je suis en vacances, c'est post. Ah bah non, mais après c'est pas intéressant parce que le truc c'est que la plupart reprennent l'école là, donc sûrement en fin de journée. 17h30. 17h30. La première vidéo que j'ai faite. Ah, c'est l'école. Non, c'est le lycée. C'est bon, j'ai compris. La première vidéo que j'ai faite, c'est Pokémon Diamant. Le Forcicia. Forcicia, ouais, c'est ça le mot. Ma première vidéo, c'était Pokémon Diamant en let's play. Forcicia? Non, je crois que c'est Cicia. Bon, je sais pas. On va pas se prendre la tête là-dessus. Pokémon Diamant, donc c'est pour ça que quand il y aura les remakes de Diamant et Perle, là, Diamant étincelant et Perle. Ah! Il y a quand même une certaine. Un certain modèle qui se répète dans tes maisons, c'est marrant. Un style. C'est le bureau du directeur. Oui, donc comme il y a les remakes de Pokémon Diamant et Perle, vu que c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne et tout, c'est Pokémon Diamant, je ne peux pas. Par. Voilà quoi, ne pas le faire. Donc là, c'est l'autre classe. Quatre élèves, hein. Ah oui, c'est en semi-présentiel, c'est que quatre élèves à la fois. Donc bah c'est comme ça, c'est tout. Et du coup, il me reste en bas et en haut. Tioum, bidou bam. Bidou bidou. Yet, tu connais Cabana? Oui, j'ai dit. Oui, je connais. Ça, c'est la salle de sport au sous-sol. Escalade. Covid, tu connais. Non. Non. Ah. Je suis désolé. Il est trop d'émojis, ton message, il est parti. Bon, je l'ai vu. Et en haut, du coup, c'est la cantiche. La cantiche. Avec les petites assiettes et tout, c'est bien. Voilà. Ok. Je suis dans l'île de Joe. Pas du tout. Je suis en code onirique.
de Nina. Sur son île, du coup. Ok. Bon. C'est pas que je veux abréger. J'ai même pas vu l'île de... Oh, je suis déçu. J'ai pas eu le temps, quoi. Non, je vais abréger, je vais rapidement, parce que il faudrait que j'arrête là en fait, voilà. Mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on aille voir l'île en speed, très rapide, de Noureddin, qui demande depuis tout à l'heure, ça marchait pas. Désolé, j'aime pas faire ça, mais de couper. Mais on va rapidement voir l'île de Noureddin, parce que... On avait demandé, ça marche pas. Ça sera la surprise. Si jamais il y a le Discord, tu peux envoyer des petites photos. Vous pouvez, hein. J'ai un Discord qui est sur la description de toutes les vidéos et tout, c'est facile à trouver. C'est cliqué, c'est gratuit. Hop, et vous pouvez mettre toutes vos petites photos, vos villes, vos machins, tout ça, tout ça. Il y a un coin photo motif. Voilà. Un coin VIP, je suis jaloux. Ouais, mais c'est pas pour toi. Alors, Noureddin, il est où ton code? Je l'ai marqué là. On espère qu'il marche celui-ci. Sinon, c'est dommage. Désolé. Non, pas de soucis. Allez. Hop. Bon, ça va être un peu rapide, je suis désolé. Je me mange. Après, il faut que j'arrête. Utiliser un code. Alors, je l'ai là. Donc, c'était 46, 48, 50, 93, 61. C'est sympa, parce que il faut partager le temps, c'est sympa. Tanukil. Trop bien. C'est parti. Tout balou là. Balou balou. Ok. Ouf, c'est blanc, ça fait mal aux yeux. Non. Non, quoi non? Je comprends. Alors, petit tour rapide. Compte, moi mon île est pas du tout original. Au moins, mon île est pas beaucoup développée. Bon, bah du coup, ça sera rapide. Ouf. Par contre, en tout cas, la carte, elle est costaud. Il y a plein de trucs. Plein de bricoles. Alors, je suis où, là? Par où on passe? Dans le début. On est là. Hop. Alors, c'est le champ de fleurs. Tu vas faire laguer le jeu. T'as pas honte? Là, il y a des cascades. Là, il y a une maison. Il y a deux passages secrets. Privé. Ah ouais. C'est... Ok. Bon, j'irai voir après. Plus en détail. Moi, c'était la mairie. Là, c'est le milieu. Là, c'est les maisons. Là, c'est les tentes. Tente Germaine. Tente Michel. Un petit pompon.
Ok. Où est-ce que je vais? Petit lac. Comment on... Ah bah non, j'ai pas dit. Je pète. Alors attendez que je récupère parce que je me suis perdu. Toup. Ça, c'est chiant. Je te dis, je vous le dis, mais quand quand on fait je fais des visites et tout, deal, et qu'il y a des passages où il faut sauter partout pour accéder à d'autres trucs. Oh, mais ça me saoule. Moi je m'en fiche, je vais là-dedans. Tu dis quoi, Tam Tam Z, moi j'aime dire Tam Tam Z, c'est bien. Mais... Tam Tam Z. Voilà, c'était le passage secret. Et en haut du coup. En haut. Il y a un arbre avec des champignons. Tout à fait ce que je comptais faire. Ici c'est le labyrinthe en fait. The labyrinth of my life. C'est une rêve là quoi. Yeah. À gauche, ah oui, là-bas. Là. Ah, faut que je refasse tout là. C'est pour accéder à là-bas. Oui, ton île est ici. C'est pour faire le tour. Mon ventre qui argouille, j'ai faim. Ok. Bon, je fais le tour. Ouais, de toute façon, j'avais dit que ça allait être un peu rapide. Du coup, maintenant, je peux plus descendre. Ouais, c'est énervant. Mais c'est toi qui l'as fait, hein, donc ton truc c'est énervant, mais c'est toi qui l'as fait. Ouais, je sais, je fais exprès, c'était juste pour embêter mon monde. D'accord. Ok, bah écoute, bon, t'as pas un endroit vide, hein. Donc plus qu'à remplir et puis... Garde. Ah. Allez, bon. On va rentrer à la maison. Hop. Tout pile. On aura fait pas grand chose sur mon île, mais c'est pas grave. On aura fait un petit peu de visite aussi, c'est tout. Mon île est nulle, c'est ça. Oui. Non, elle est pas finie. Elle est loin d'être finie. Je veux pas dire que c'est nul tant que c'est pas fait. Voyons. C'est sympa le tuyau vert comme dans le... Alors c'est vraiment un tuyau de Mario en fait. Ça te permet de te téléporter. C'est un objet spécial Mario qui a été mis dans Animal Crossing. Ça permet de te téléporter un autre tuyau de Mario. Voilà, dans l'idée. Oh mon dieu. Si c'est nul. Bah c'est pas fini, donc forcément quand c'est pas fini. Bah, quand c'est pas fini, de toute façon, on peut pas juger un truc qui est pas fini. C'est comme tu dis. Regarde mon dessin. Et ton dessin, il y a quoi? Il y a 3 traits de crayon parce que t'as fait. Un rond. Et alors, tu le trouves comment, dessin? Ben, c'est un rond, quoi. C'est bon.
c'est pareil, donc tu peux pas juger tant que. Regarde. Fais ça. Tant que c'est pas fait. C'est tout. Simplement. Et hop, j'arrive ici. Oui! Alors, du coup, non, je ne peux pas finir sur tenir de Nathalie parce que j'ai dit que j'allais arrêter et que je me faisais rapidement. Parce que faut que j'arrête là. Garde pour une prochaine fois. N'hésite pas même à le dire sur le Discord. Il y a le Discord dans la description pour mettre et tout. Pour un code onirique, un code ami, tout ça. Il y a des gens, donc il ne faut pas hésiter. Puis voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Oh, j'ai l'eau qui est maintenant. Ah, désolé. Le bot, il est pas gentil. Je vais m'arrêter là, je... Merci d'avoir quand même été présent. J'ai deux cadeaux. C'est pas grave, j'ai pas besoin de cadeaux. Comment tu essayes de m'acheter en plus avec tes cadeaux? En plus, ça fera un live de 2 heures pile, ça tout bien. Tout pile. C'est parfait. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'être passé. Ah oui, si, on a fait quand même le labyrinthe de Charlie aussi, c'était bien. On se retrouvera bientôt. Vu que je suis en vacances, peut-être qu'il y en aura un autre live durant les vacances, je pense. J'ai essayé. Sur ce, ben... Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez. Ciao. Attends, il faut que je clique pour que ça enlève, sinon ça marche. Ciao. Non, c'était pas le bon son que j'ai coupé.